salut à toutes et à toutes, c'est Kintaro. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode. Alors, j'ai regardé mon nombre d'épisodes, je crois qu'on est à l'épisode 20. Je crois que c'est ça, oui, l'épisode 20. Putain, mais ça passe vite! 20 épisodes de KH3, ça passe tellement vite. On avait retrouvé Arandel, je crois que c'est Andarel, je crois que c'est ça. Qui voulait être toute seule, qui voulait pas qu'on lui foute la paix, qui a chanté Libéré, délivré. Magnifique Michio, qui a interprété cette chanson-là, et vraiment qui a interprété cette chanson avec brio. On a été soufflé hors du château de la Miss. Et on a subi un... Ouais, c'est ça, on a subi un... Qu'on appelle ça un... une avalanche, et on s'est retrouvé ici. Et on a vu une sorte de bonhomme de neige qui recherchait, je crois, partie de ses membres. Et on va aller voir qui c'est. Et ce monde est magnifique. Ce monde-là, le monde de la Reine des Neiges est vraiment superbe. Hein. Il est vraiment, vraiment magnifique. Hein. Il est vraiment bien fait et tout. Moi, j'adore. Oh, j'ai hâte de rencontrer Elsa. C'est sûrement quelqu'un d'exquis, de gentil et de chaleureux à souhait. Vous voyez, je vous l'avais dit, un bonhomme de neige qui marche et qui parle. Pas ça alors, tu avais raison. Je veux voir ça. Wow, tu es vraiment vivant. Comment tu fais pour marcher? J'utilise mes pieds. Bonjour. Olaf, ce sont tes amis? Non. Du tout, du tout. Je connais personne de bleu, vert ou qui soit tout ébouriffé. Ébouriffé? Mes cheveux? Attends, pourquoi j'aurais pas droit à une couleur aussi? Et puis, je m'appelle Sora. Et moi, Donatuk. Oh. Et moi, je suis Dingo Vert. Je m'appelle Anna. Oui, je sais que ce sont des inconnus, mais ils m'ont l'air vraiment très sympathiques. Moi, c'est Christophe. Et voici Sven. Ravi de vous rencontrer. Alors, où allez-vous comme ça? On essaie de trouver le moyen de faire cesser cet hiver. Et pour ce faire, nous devons absolument retrouver ma sœur Elsa. Elsa? C'est votre sœur? Ça, pour une coïncidence, on va la voir nous aussi. Hein? Vous connaissez Elsa? Oui, on l'a rencontrée dans les montagnes. Vous pourriez nous expliquer ce qui se passe ici? On a peur que votre sœur ait des gros ennuis. Des ennuis? Vous en êtes sûr? D'accord. On vient de se rencontrer, mais... Sora, c'est ça? J'ai la sensation que vous êtes digne de confiance. Je suis d'accord avec vous. Vous aimez les histoires longues, j'espère. Bien sûr. J'y pense. Je dois aller trouver de la mousse pour Sven. Il a l'air d'avoir faim. Viens, Sven. Hé, attends. Qu'est-ce qui se passe? Allez, dis-moi ce qui se passe. Viens, Olaf. Je t'emmène. D'accord, Sven. Et Sven, le renne, vient aussi? Sven, c'est le renne. Ouh, super. Quand nous étions petites, ma sœur et moi étions très proches toutes les deux. Mais un jour, sans que je sache pourquoi, Elsa a pris ses distances. Elsa? Je voudrais un bonhomme de neige. Oh, viens jouer avec moi. Tu te caches, on ne se voit plus. Les années ont passé presque sans qu'on ne se voit jamais. Puis finalement est venu le jour de son couronnement. Et disons les choses clairement, j'étais vraiment très impatiente. Nous aurions enfin l'occasion de nous parler. Mais pendant la fête, j'ai fait quelque chose qui l'a fâché. Nous nous sommes disputés et j'ai perdu mon sang-froid.
mais j'étais tellement frustrée. Alors c'est là que qu'elle a utilisé ses pouvoirs pour me repousser. Tout ça, c'est à cause de moi. Peux-tu ouvrir cette porte? Pourquoi restes-tu enfermée? On me dit sois forte, le temps arrange tout, mais j'ai besoin de nous pour oublier que nous n'avons plus personne, plus aucune famille. Quel avenir pour nous? Je voudrais un bonhomme de neige. Je n'aurais jamais dû la contrarier comme je l'ai fait. Elsa s'est enfuie du royaume parce qu'elle a eu peur. Il faut que je la ramène chez nous. Je suis sûr qu'elle sait à quel point vous l'aimez. Et je pense que c'est pour cette raison qu'elle avait l'air aussi triste. Comme quand Riku a disparu. Il a cru me protéger en me repoussant. Peut-être que Elsa pense comme lui. Si quelqu'un peut l'aider, c'est vous. Hein? Merci. Venez tous, j'ai besoin d'aide. Hein? Que se passe-t-il? Ceci. Ce n'est pas un bâton. Enfin, si, c'est un bâton, oui, mais c'est aussi le bras d'Olaf. Il s'est encore disloqué. Disloqué? Oh, et ça vous fait rien? Oh, ce n'est pas grave, c'est un bonhomme de neige. Il suffit simplement de le reconstruire. Quoi? Vraiment? On peut faire ça? Faut que je voie ça! Les morceaux ne doivent pas être bien loin. Vous pourriez nous aider à les retrouver? Bien sûr. Ok, ben on va aller retrouver les morceaux de ton truc là. Je suis par ici. J'ai entendu aussi. Ouais, coucou, je suis par ici. Oui. Ouais, attends, je m'en souviens de cette phase-là où il faut essayer de retrouver ses, les parties de son corps, quoi. Ah, tiens, il y a déjà y a une partie. Peut-être à Olaf. Peut-être. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je suis par ici. Bon, déjà, on a une partie. Attends, mais... J'ai le son qui crie trop dans mes oreilles. Ça, c'est pas lui, ça. C'est la bonne borne. Mais c'est un homme. Non, bien sûr, c'est beaucoup trop gros pour que ce soit lui. C'est beaucoup trop gros pour que ce soit lui. Attention, là. Allez, on va récupérer un peu de MP. Tac. Ouais, je m'en souviens de cette phase-là. Mais sur le premier let's play que j'avais fait à l'époque, je m'en étais arrêté là, hein, si je ne me trompe pas. Ces arbres sont faits de glace ? Peut-être. Regarde les jolies fleurs de neige. Je m'en étais, si je ne me trompe pas, je m'en étais arrêté là. Vous chauffez ? Normalement, si je ne me trompe pas, celui-là, si tu le tapes contre quelque chose, ça devrait. Ok, la tête qui tourne. Non, je peux pas aller là. Ça, il m'en a retrouvé la tête déjà. J'ai commencé à croire que vous ne me retrouveriez jamais. Heureusement que non. Ouais, si je me trompe pas, je crois que j'avais retrouvé... j'avais invité un pote à l'époque. Ah. Attention. Viens là, toi. Ouais, faut appuyer. Ouais, d'accord, faut appuyer sur la commande. Voilà, c'est bon, je l'ai récupéré. Je les ai. Bien joué, Sora. Vous croyez qu'on a tout? Anna saura quoi faire ensuite. Dis, Anna, quand est-ce que vous avez tous rapetissé? En fait, Olaf, c'est plutôt toi qui as poussé.
Je crois qu'on s'est trompé. Oh, ça me plaît d'être grand. Continuons de chercher. Ah, surtout qu'il manque son nez, en fait. Hey, Olaf sait peut-être où se trouve le reste de son corps. Ah, c'est ça, je crois qu'il manque son nez, hein. Ouais, putain, c'est vrai qu'on s'en était... Je crois qu'on s'en était arrêté là, hein. Avant que je stoppe le let's play. Oh, quelle connerie d'ailleurs. C'est quoi ça? Olaf a besoin d'un bain. Peut-être bien qu'il a roulé dans la boue. Va savoir. Vous croyez qu'on a tout? Anna saura quoi faire ensuite. Mais je suis pas sûr que ce soit le bon truc. Oh, regardez ma peau caramel. J'ai toujours rêvé d'être bronzé. Olaf, j'ai une mauvaise nouvelle. Christophe, ne lui gâche pas ce plaisir. La neige est censée être blanche. Bon, ok, on s'est encore trompé. Est-ce que je peux aller là-bas? Ouais, donc non, je me suis trompé. Poupidoupidou. Difficile de le repérer avec toute cette neige. Voilà, là j'y ai pas été. On peut pas le laisser comme ça. Ah, mais je peux pas aller là. D'accord, ok. Attends, je me souvenais plus que la zone était aussi restreinte. Se trouve le reste de son corps. Alors, attends. Bah, j'ai déjà été voir normalement, c'est quand même bien. Non. Dites, on l'a déjà regardé ici. Ouais, non, oui, je sais, Dingo, qu'on nous a déjà regardé ici. Olaf pourra peut-être nous dire où chercher. Ah, mais peut-être, ouais, peut-être qu'on peut lui demander. Je crois que j'ai perdu mon torse près d'un endroit glissant. Ok, d'accord, dans un endroit glissant. Il ne doit pas être bien loin. Bon, c'est pas par là. Bon, ça a l'air d'être hyper chiant. Difficile de le repérer avec toute cette neige. On a un endroit glissant, c'est pas là. Attends, tac. Il ne doit pas être bien loin. On passe par là. Si on allait voir au-dessus de la cascade. On est déjà... Ah, mais c'est là. C'est peut-être à Olaf. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Vous croyez qu'on a tout? Anna saura quoi faire ensuite. Hey, pourquoi vous chancelez tous? Ce n'est pas nous, Olaf. Tu es sur le point de tomber. Hein? Oh non! Je me disais bien aussi. Alors, dis-moi tout. Oh, je me souviens. À droite, au-dessus de la cascade gelée. Mais on y a déjà été dans la cascade gelée, mec. Cette neige. Donc ça serait à droite. Ok. Peut-être où se trouve le reste de son corps. Ah, mais c'est par là. Attends, là, il y a un truc là que je vais récupérer. C'est le torse d'Olaf. Bien sûr, on l'a trouvé. Vous croyez qu'on a tout? Anna saura quoi faire ensuite. Et voilà, comme neuf, pas vrai? Vous êtes sûr qu'il manque de rien? Non, ça va. Ah, waouh, je me sens tellement mieux. Ah, oh non, où est passé mon joli petit nez? Celui qu'Anna m'avait donné. Sora, est-ce que vous avez trouvé son nez? Je crois pas, non. On l'a pas vu. Oh. Sven? Fallait bien que quelqu'un le ramasse. T'as raison, mon grand. Merci de l'avoir trouvé et de ne pas l'avoir mangé. Oh, mais de rien. J'ai retrouvé mon nez.
Oh, j'adore avoir un nez. Mais d'ailleurs, Christophe, qu'est-ce qui s'est passé finalement? En fait, je sais pas trop. De drôles d'animaux, ou plutôt des monstres, je dirais, se sont jetés sur Olaf. Je le savais! C'est encore les sans-cœurs! Oui. Les sans-cœurs? Et moi qui trouvais les loups dangereux? Christophe, regardez! Les revoilà! Non, je me suis suffisamment fait casser aujourd'hui! On va se charger de cela! Anna, Christophe, partez devant! D'accord. Attendez, quoi? Ben, tu vas pas affronter des sans-cœurs? T'as rien, toi, pour les affronter, non? Moi, par contre, j'ai ce qu'il faut! J'ai ce qu'il faut! Ouais, je m'en souviens, je sais plus à quel nombre d'épisodes on s'était arrêté à l'époque. Mais si je me trompe pas, on était par là. Hein. Mais je crois qu'on avait fait après, c'était après qu'on on avait d'abord fait celui-là et après on a fait Monstre Compagnie. Si je me trompe pas. On avait pas fait celui-là, on avait fait celui-là avant. Ouais, on avait fait celui-là avant, donc on l'avait pas fait dans cet ordre-là à l'époque. Mais c'est pas ce que je voulais faire, bon, je crois. Allez, fusil atomium. Ouais, je crois qu'on l'avait fait dans le désordre. Et après, est-ce que je me trompe pas, je crois qu'il reste encore un monde. Avant la fin, hein. Ouais, je pense que ce let's play durera au moins 30 épisodes. Ouais, il durera au moins 30 épisodes, je crois, ce let's play. Il faut les rattraper. Oui. Ah, j'ai gagné un nouvel emplacement accessoire. Ah, on va mettre ça. Et on va mettre des potions, et normalement c'est bon. Attends, mes copains, ils ont pas des emplacements aussi à mettre? On va mettre encore d'anti-incendie à lui, on va lui mettre une potion. Et Dingo, de toute façon Dingo j'ai pas plus hein. On a la tâche stellaire. Ah, par contre, objet, il a rien, Dago. Donald, on va lui changer, on va lui mettre de l'éther, surtout. C'est un peu notre magicien, Donald. Voilà, merde, faut que j'aille où? Peut-être qu'il faut que j'aille par là-bas. Non, c'est peut-être là d'où je viens, non? Ouais, c'est là d'où je viens. C'est pas par là qu'il faut que j'aille. Non mais par contre c'est impressionnant quand le jeu est beau. Hein. Ça, et puis il est pas trop mal optimisé. Hein. Je veux dire par là, j'ai pas eu de bug ni quoi que ce soit. Contrairement à certains jeux Sony à l'époque où j'avais énormément de problèmes de bugs. Non, on va pas aller là. Là, celui-là, j'ai pas tant de bugs que ça. Hein. Il est pas si mal optimisé que ça. Et puis il est sorti sur... Ah oui, mais j'ai oublié de vous dire ça. Le jeu est sorti sur Steam. Hein. Donc il n'y a pas de raison de ne pas découvrir la saga des Kingdom Hearts. Puisque vous avez le 1.5 et le 2.5 Remix qui est sorti. Le 2.5 Remix. Et vous avez le cache 3 avec la DLC Remind. Donc moi je l'ai sur la version Epic Game. Mais vous pouvez jouer à cache... Sur PC maintenant. Il y en a d'autres là-bas. Ça en fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Je crois que je galérais plus à l'époque. Mais voilà, vous avez plus de raison maintenant de ne pas faire Kingdom Hearts. Ah, il y en a un là.
Là-haut, il n'y a pas un truc à aller voir? Si, je suis sûr qu'il y a quelque chose à aller voir. Si j'ai pas loupé un truc, un tombe ne glisse pas, s'il te plaît. Il y a un truc là-bas. Oh putain, merde. Ah, mais attendez, c'est pas une compétence, j'ai un truc. J'ai pas un truc pour le saut. Mais magique, ce qu'on a. Ah, si, mais j'ai hyper saut, mais c'est bon, je l'ai. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Dernière force. On va activer dernière force. On va mettre un autre combo. Et c'est tout ce que je peux faire. Donald, qu'est-ce que je pourrais te mettre? Booster glace. Non, je peux pas. Bon, on va attendre qu'il ait un peu plus de PC. Et toi. Bon, on va attendre qu'il ait un peu plus de PC, les gars. Je peux pas attendre le truc là-haut. Putain, il y a un coffre pourtant. Bon, je veux y aller, moi. Ah, mais voilà, je savais bien que je pouvais y aller. Ah, du coup, glacier plus. Ok. Je me souviens bien que je pouvais y aller. Putain, c'était. C'était quoi cette chienlit? Non, mais t'inquiète pas, on va aller la voir, Anna. Va, t'en fais pas. On va aller la voir, ta chérie. Et où il va, lui? D'accord, ok. Alors, le sang-cœur, il s'est barré vers l'infini, l'au-delà. Alors, c'est un gros porc, beaucoup plus gros que. Attention. Voilà, ça c'est fait. Ouais, par contre, ouais, au niveau des combos, pourquoi je l'ai activé? Parce que je me souviens que dans le KH2, putain, les combos, ça a aidé énormément. C'est vrai que les combos, ça a aidé beaucoup, hein. Dans KH3, putain, surtout à la fin, ça me aidait mais énormément. Hein. Déjà pour XP assez rapidement et tout, je veux dire, tu pouvais battre les ennemis beaucoup plus rapidement, ça aidait vachement. Hein. Et je crois que je m'en suis rendu compte à la fin. Alors, bon, c'est tout droit. C'est tout droit, hein. Viens, gros! En espérant que je tombe sur une Keyblade qui soit un peu plus puissante, mais non. Là, c'est pour péter un truc, certainement. Je pense que je vais continuer par là. Et viens, attends. Ouais, en plus d'attendre. Et je vais essayer de voir pour faire le DLC Remind aussi, ça serait pas mal. Ouais, bon, toi t'es morte. Je vais essayer de faire le DLC aussi, là. Le DLC Remind. Ah ouais, mais je peux faire ça, c'est vrai. Ah, mais j'avais oublié que je pouvais faire ça. Ouais, je savais même pas que je pouvais faire ça d'ailleurs. Pas d'autres. Non, c'est bon, j'avais pas d'autre. Bon, je pense qu'on va pas tarder à arriver. Avance, ça te réchauffera. Ouais, bravo, Sora, merci. En même temps, t'as des plumes. Attends, mais attends, je suis sûr qu'il y a des trucs à récupérer là. Je suis sûr qu'il y a des coffres à récupérer.
peut-être pas, j'en sais rien. Peut-être, peut-être pas, ouais. Ouais, donc ouais, il faudra que je fasse le DLC Remind aussi, ça sera pas mal pour vous. Bon, on va essayer de faire... Ah, mes copains les dragons. On va essayer de vous le faire à fond. Alors, pas à 100%, hein, mais au moins faire l'histoire et puis faire les DLC, quoi. Toi, tu meurs. On va utiliser le vaisseau, hein. Bon, ça, on lui fait quand même pas mal de dégâts, hein. Allez, tu vas mourir, oui. Bon, ça va, ça aide pas mal. Ok, il en reste juste un. Il en reste même deux. Allez, un petit coup de soin. Et après, c'est pareil. Alors, quel KH je vais vous faire après KH3? Eh ben, en vrai, j'ai bien vraiment envie de vous faire Burst by Sleep. Et je pense que ça serait pas mal de vous faire Burst by Sleep avec l'histoire de Terra. Enfin, parce que là, on va entendre parler de Terra et de Ventus. Mais on n'est pas trop savoir qui c'est, qui ils sont et ainsi de suite, quoi. Donc c'est vrai que Burst by Sleep serait pas mal. Pour vous aider un peu à la compréhension du scénario. Et de toute façon, je vais essayer de tous les faire. Après, il y a 358 sur 2 Days et comment il s'appelle? Ah! Fait quand t'es con ou quoi? Il y a 358 sur 2 Days et Recoded. Je pense que on regardera les cinématiques. Je pense qu'on se regardera les cinématiques pour cela et on les fera en live. Et après, il y aura Drip Drops. Mais putain, mais pourquoi il fait ça? Il est con? Mais t'es con, mon pauvre Sora ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah ouais, je disais, il va y avoir 358 sur 2 Days. Qu'il va falloir qu'on se regarde. Après, il y a... Ah, mais après, je peux m'arrêter, ouais. Voilà. Je sais pas, il était décidant, il avait pas envie de... Il avait pas envie. Il y aura Drift Drop Distance, et puis c'est tout. Après, bon, après, les jeux mobiles et tout bordel, je les ferai pas. Hein. Voilà, voilà. Ah mais salaud, fils de... Mais ils vont crever, ouais. Bon, allez, les épisodes mobiles et tout bordel, je vous les fais pas. Hein. Je vous fais ceux du jeu principal. Ça serait bien qu'avant KH Kingdom Hearts 4, qu'on les ait tous faits. Ça, qu'on soit prêt pour Kingdom Hearts 4. Ça serait pas mal. On n'a pas besoin d'utiliser les griffes. Voilà, ça c'est fait. Ça serait pas mal qu'on les ait tous faits. Au moins comme ça, on serait prêt, quoi. On serait prêt pour KH4 et bah dès qu'il sort, on le fera en let's play, quoi. Et toi, fragile Eddie, tu vas crever. Donc, l'objectif de la chaîne, enfin, en tant que série principale de la chaîne, qui est Mars. Même, alors celui-là qui me plaît un peu moins, je ferai aussi, comment il s'appelle, Chain of Memories. Ah mais il fallait par là. D'accord, ok, bon. Je n'ai pas trop compris le chemin, mais bref, soit. Un coffre. Ah, baguette magique de plus pour Donald. Ah,
Sans compte la magie, bah nickel, hein, mon petit canard WC, t'as ce qu'il faut. Nous revoilà. Enfin. Ce palais est fabuleux. Oui. Et ouais, donc comme je vous disais, ouais, il faudra que je fasse aussi Chain of Memories, même si celui-là je ne l'apprécie pas des masses. Tu as plongé dans un hiver éternel, le pays tout entier. Le pays tout entier ? Mais ce n'est rien, provoque le dégel. Je ne peux pas, j'en suis incapable. Mais si, voyons, tu en es capable. Anna et les autres doivent être à l'intérieur. Tu vas bien ? Oui, ça va. Mais il a dû se passer quelque chose de grave. J'espère que nos amis vont bien. Quoi ? Repose-nous ! Ce n'est pas gentil d'attaquer des gens qui ne vous ont rien fait. Ne faites pas la maligne. Lâchez-moi. Du calme, j'ai dit. Calmez-vous. Oui, d'accord. Laissez ce bonhomme de neige tranquille. Je me calme. Parfait. Hein? Oh, Anna. Oh, bravo. Vous l'avez énervé maintenant. Je vais faire diversion. Sauvez-vous. Non, 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 vous restez là. Ça devient tout de suite plus compliqué. On va le ralentir. Attendez-moi! Hein? Où est Dingo? Hey, Sora! J'ai une idée! Dingo, qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est parfait! À mon signal, t'es prêt maintenant. C'était génial. Il est toujours debout. Hein? Tiens la boule de neige. Boule de neige, boule de gland et bonne année. Fils de ta maman. Et bonne année, grand-mère. Ah là là. Ouais, je me souviens de ce boss. Alors ça va être un assez long épisode, pardon. Mais son of the bitch. Putain, garde. Allez, on va utiliser les griffes. Ok, donc il saute. Je le frappe. Allez, donne à le météore. Ça va lui faire un max de dégâts.
Attention! Attention! Allez, yo-yo jumeau! Je l'adore cette attaque. Je l'adore, c'est trop trop bien. Allez, pétale garde. Ah ouais, d'accord, il a l'armure, ouais. Attends, je vais utiliser la grosse attaque. Il fait mal, ce connard. Il fait mal. Attends. C'est bon, on a pété l'armure. Allez, coup de branche. Pas que ça c'est fait. C'est totalement con. Totalement con cette attaque. C'est totalement con. C'est ça qui est bien dans les KH aussi. C'est un peu. C'est vraiment. Il y a de l'humour et tout, c'est cool. Mais bon, j'ai appris Glacier Plus. Ok. Heureusement que la neige est molle. On pourrait le refaire une centaine de fois. Merci bien. Quoi ? Vous êtes sûr de pas vouloir le refaire ? Non, jamais plus. Vous croyez que les autres s'en sont sortis ? Je ne pense pas que le monstre les ait attrapés. Ils doivent sûrement être retournés au palais. Sûrement. On devrait faire pareil. Il faut qu'on parle à Elsa. Ça va marcher cette fois. Oui, retournons au palais de glace. Ce gros bonhomme de neige n'était pas sympa, hein. Ouais, mais vous savez quoi, les gars, ça sera au prochain épisode. Bah bon, mais écoutez, oh, c'était bien sympa, avec de bonnes cinématiques, c'était bien cool. Je prends un pied, enfin, je prends vraiment un pied. C'est vraiment cool. Là, je vais essayer de changer, un peu de jeu. On va essayer de tourner un peu de Sonic Adventure, parce que ça fait un petit moment que je sais pas tourner de Sonic Adventure. Bref, en tout cas, j'espère en tout cas que cet épisode de Kingdom Hearts 3 vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, c'était Kintaro, et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye tout le monde.